Bonjour, donc je suis Hugues Beaujard, j'habite à Aubagne depuis maintenant une dizaine d'années avec toute ma tribu, et c'est donc en tant qu'auteur aubagnais que je viens de me présenter ici. Mon dernier roman, donc c'est le dernier opus des aventures de Magide, hein, c'est Un éléphant pour Charlemagne. Alors en fait, ça part d'un fait réel, qui est que le calife Haroun al-Rachid avait offert un éléphant à Charlemagne. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est grâce à mon petit personnage Magide, oui, Villa, que l'éléphant a pu traverser la Méditerranée. Parce que vous imaginez bien qu'à l'époque, faire traverser la Méditerranée à un éléphant, c'était quand même très compliqué. Voilà. Et la chose assez incroyable, c'est que ce fait qui est réel, donc, n'existait pas dans la littérature jeunesse. Et lorsque j'ai fini d'écrire ce tome 3, il y a deux ouvrages qui sont parus en littérature jeunesse sur le même thème. À savoir que effectivement le calife Haroun al-Rachid, qui était un peu le chef des musulmans, on va dire, avait offert un éléphant à Charlemagne, le chef de la chrétienté. Et qui est-ce qui a fait passer cet éléphant, outre mon personnage Magide, c'est le juif Isaac. Voilà. Donc c'était assez marrant de voir que finalement ce fait était d'actualité à nouveau. Voilà. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire? J'étais un gros lecteur. Quand j'étais jeune, j'adorais lire, je lisais énormément. Et ça, c'est naturellement que je me suis mis à écrire. Je me rappelle, j'ai un souvenir très très ancien de l'écriture d'un texte quand j'étais en CM2. Et j'ai encore les images du texte. Je me rappelle plus du contexte, qu'est-ce qu'on me demandait exactement, mais j'ai encore les images de l'histoire que j'avais commencé à écrire à l'époque. Voilà. Et puis après, j'ai vraiment la première trace d'écriture un peu longue, c'est le 33e où j'ai commencé à essayer d'écrire un roman et ainsi de suite jusqu'à ce que eh bien, je commence à être édité, n'est-ce pas? Notamment pour les aventures de Magide. Qu'est-ce que vous aimez lire? Oh, je lis de tout. Alors je lis beaucoup par rapport à mes ouvrages, donc j'ai lu beaucoup de livres d'histoire pour écrire les aventures de Magide qui sont très contextualisées historiquement. Et par exemple en ce moment je travaille sur un projet entre heroic fantasy et anticipation, donc j'ai lu beaucoup de livres, on va dire plus documentaires sur des faits précis, etc. Et ce que je fais aussi beaucoup, c'est que ce que je commence à faire depuis que j'ai mon nouveau projet qui lui s'adresse aux adultes et pas aux enfants, j'analyse les livres un peu, j'essaie de voir ce qui pourrait être intéressant par rapport à l'écriture de mon projet actuel, parce que c'est pas qu'un roman, mais ça serait une série de romans encore. Voilà. Et dernière chose, quel est le livre que vous auriez aimé écrire? Le livre que j'aurais aimé écrire, on va dire Les Mille et Nuits, parce que c'est impossible que ce soit moi qui l'écrive tout seul, donc j'aurais bien aimé l'écrire quand même. Voilà. Et parce que c'est une plongée dans un univers qui est foisonnant, rebondissant, plein d'humour et d'intelligence. Donc voilà, j'aurais aimé écrire ça.